Est-ce que vous êtes prêts pour ce petit stream Halloween d'aujourd'hui? Bon, on a essayé de faire une ambiance qui faisait peur, mais pas encore. En fait, après, on va mettre des petites bougies et tout ça, ça. Là, pour l'instant, vous commencez avec nous en mode normal. Vous allez voir comment on va se... se détériorer. Donc, on va commencer le make-up. On fait pas une énorme intro parce que déjà, on a des gueules de merde, vu qu'on n'est pas maquillés. Et ensuite, genre, on est pire en retard, ok? Un peu plus de moi. Je suis morte et je suis revenue. Ouais. La reine de cœur. De ouf. C'est l'effet petite bouche en fait. Petite bouche, petit sourcil aussi. Après que je fais peur. Voilà, je vais l'enlever. Hop là. Oh. Ok. Yes. Ok. C'est parti. Bon, les pizzas Europe. Ouais, on va faire des pizzas Europe. Bah, toi, tu guides. D'accord. Nous, on a décidé de faire des trucs basiques, comme ça, hein, de la vie de tous les jours, comme une petite pizza. Bon, en fait, on a essayé de faire des trucs qu'on va pas foirer, mais qui auront quand même des gueules d'Halloween. Voilà. Et qui vont être bons et qu'on va kiffer, grailler, parce qu'on a faim. On s'y va. Il y a des trucs, genre des pâtes en betterave. Ouais. Ils font comme des. Avec des estomacs et tout, mais ça, nous, on peut pas faire. Non. On partage nos pâtes, tu mélanges nos pâtes, pas et moi. Mais moi je mélange pas ma pâte le premier soir. Hein. Ah, ça fait pas le premier. Ok, c'est parti. Vas-y. Voilà. On a les mains propres, on tient à stipuler. Ok. Je crois que je vais plutôt utiliser la bonne vieille technique de grand-mère Gertrude. On met un petit peu sur chacune. Et ensuite, on étale. Et ensuite, on étale. On étale toujours avec le dos de la cuillère. C'est comme ça qu'on fait chez nous. Hein. On peut même un peu aplatir en même temps. Avec le dos de la cuillère. Avec le dos de la cuillère, je veux dire, oui. C'est marrant, t'en penses. C'est pas grave. C'est bien, c'est du plastique. Ça se nettoie facilement. On a tellement acheté une nappe exprès parce qu'on a beaucoup de partout. De ouf. Ok. Du coup, je fous aussi partout. Avant ça, jamais je mets du fromage partout aussi. Hein. Wow, je suis pas du tout content de faire. En fait, on la met au four aussi. Bon, ça, c'est une nappe comestible. Allez. Je fais vraiment n'importe quoi. C'est vrai qu'elles sont un peu peut-être. Merde, il y en a trop là. Moi, je t'applique trop pour mettre des petites poignées délicates. Mais la sauce, c'est toujours un truc de boulot. Mais pas vrai, mais c'est qu'en fait, en plus, je dois étaler un peu la pâte en même temps. On n'est pas assez optimal. C'est comme ça qu'on fait dans les usines, c'est comme ça qu'on avance. À chaque fois, genre, j'ai envie de manger les ingrédients comme ça. Genre, même là, en fait, j'ai envie de manger du thon. Moi, j'ai déjà pris quelques olives, j'avoue. Oh, je peux fondre une olive. Je sais pas pourquoi je te pose la question comme si c'était ma mère. Alors, moi, ce que je te propose, ouais, je vais prendre un petit peu. Je vais. Ouais. Prendre les olives et est-ce que il y en a une qui coupe? T'as un couteau? Je vais faire un couteau. Ouais, prends un deuxième couteau, j'en ai un. Okay, là, je prends un deuxième couteau. Non mais mec, on va venir sur celui-là aussi, elle a mis 3 miettes de fromage, c'est honteux. Honteux. C'est honteux. Honteux. En fait, sinon il y aura tout le fromage au même endroit. Ok. Donc nous, on est parti sur deux concepts. Des pizzas momies et on a fait, on voulait faire quoi d'autre? Ah, des pizzas araignées. Pour faire des pizzas araignées. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en mets partout. Non, mais j'essaie de couper les petits. J'ai vu, tu m'as regardé en mode est-ce qu'elle a vu ce que j'ai fait. Non. Je vais arrêter.
Je ne fais absolument rien de mal. Hop, hop. Attends, je vais en rajouter encore un petit peu. Je médite pas, j'ai l'impression que t'as fait une connerie. Ok, attends, hop. Un, tout de suite. Je regarde, okay. Forcément. J'ai fait une connerie. Là, tu penses qu'on est bon, là? Ouais, et le bon. Ok, donc maintenant, on va essayer de faire avec cet item. Et après, je ferai la nouvelle pour cet item. Donc, pour les deux cams, hein, donc ces deux items. Des bandelettes. Afin de faire des petites momies. Nos petits pumpkins là. Ok. Ça, c'est parti. Place la cam. Donc, juste avant que toi tu bouges et que je fasse bouger la cam, viens là plutôt. Ah ouais, moi je reste pas assis de ce côté là. Ah ouais, c'est vrai, tu peux. Je peux, non? Ouais, je me mets de l'autre côté avec toi en fait. Vas-y, non, viens. Tu peux en se mettre comme ça en vrai. Mec, on va devoir couper des dessins comme ça? Ouais. C'est comme ça qu'on fait du cyprinal. Après, t'as pas choisi la facilité directe. Toi, t'as pris la plus petite. Mais... Tu crois que c'est plus difficile parce qu'elle est petite? Bah oui. Je pense. Attends, le vieux merde que j'ai mis ici. Merde. Ok, on fait pas pour des biscuits. Ok, c'est sportif tout ça. Ça se mange vite, là. Attends, hop. Ok, on est chaud. C'est fini. Ça va jamais s'enlever. Ça fout les gouttes quand même. Moi, non, mais là, il faut allumer au moins les autres lumières par contre. Toi, tu dis ça parce que t'as les boules pour le jeu, ça. Oui. Non, mais sérieusement, genre. C'est un peu yeux. Pour nommer quatre jolies qu'on a fait, ça se voit quand même. Bon. Regarde-moi ce porc. Yeah, c'est vrai qu'il est à fond là. Non mais il va tirer la nappe, il va se brûler. Bébé. Genre les pumpkins, ça l'a... Bébé, c'est ça pas bon. Ça fait un de ses effets. C'est pas pour toi, moi. Les pumpkins, c'est le pumpkin. Moi, je trouvais aussi hein, que notre make-up, il rendait mieux dans le noir, en vrai. Si jamais. Sarah, regarde, c'est toi. Hein. Moi, j'ai pas envie qu'il fasse tout noir. Si il va faire tout noir pour le jeu, c'est beaucoup mieux. Non, c'est mort, il fait pas tout noir. Pas mais regarde, il s'est ouvert dans le couloir. C'est pas le couloir. Voilà. Ok, donc en tout cas, je sais pas si vous connaissez Phasmophobia, si vous vous réjouissez de voir ça ou si pas. Personnellement, je suis pas trop du style à... Je sais pas comment dire, pour certains trucs je suis expressive, pour d'autres pas trop. Je suis pas trop du style à crier, par contre, on a une Yuni avec nous. Yeah, c'est du style à crier quand elle a peur, donc vous me direz vite si son micro est trop fort. En fait, jamais elle pousse un cri, elle vous défonce pas les oreilles. Et c'est pas du tout méchant ce que je dis, hein. C'est même elle qui m'a prévenu, elle m'a dit « Tu pourras mettre moins fort si jamais je crie, parce que moi je peux avoir peur. » C'était assez cute comme elle a demandé ça. Donc du coup... Je la baisserai un peu pour qu'elle ait le loisir de hurler si elle veut. Voilà. Ça doit pas être le... Oh, il va me tuer. C'est presque sûr que c'est pas un fantôme. Parce que je vais pas arrêter sa chasse avec... Ça va être trop nul.
Il y a quand même une partie de moi qui me demande si ça va être trop nul, genre tu aurais trop pas peur, je vais rien ressentir et genre ça va être nul. Particulièrement l'air. Tu aurais trop pas peur, je vais rien ressentir. Mignotte. Oh cette mignotte, on va crever. J'ai pas trop peur. Chouchou, on essaie de trouver la plongée du joueur. Ah je l'ai vu. William, désolé. J'ai pas trop réussi à crier. Clay, tu peux plus sortir. Ça c'est quoi? Donc ça c'est quoi? On a le mode chasse. Non, c'est quoi ce que tu tiens dans la main, on dirait un... tu peux le dire. On dirait un sextoy, Igor. Voilà. Je te lance dessus. Super, merci. Là, je l'ai vu. Ok, c'est bon, je suis mort. Ça y est. Nancy, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi on te voit pas? Tu ne trouveras jamais, parce que tu es peureuse. Ok, c'est bon, je suis morte, ça y est.